Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour le numéro 77. Et je sais pas trop si on aura le temps, on verra ça. De faire le numéro 78, mais je sais pas trop. Oula non, peut-être pas, non, il va être long celui-là. Oula ouais, ouais, il va être très long celui-là. Donc bon, numéro 77 tout court, parce que le 78 est super long. Donc voilà, hein, et on va s'attaquer encore à de nouvelles pièces, de nouvelles parties, une section de la coop qui s'agrandit, et aussi donc de nouvelles petites pièces qui vont s'y mettre au fur et à mesure, là, des barrières, etc. Bref, je vous laisse les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc dans ce numéro 76, je vais pas faire du truc. On va retrouver donc dans ce numéro 77, on va retrouver une plaque, des vis et donc une partie de la coque. On va donc mettre en place des balustrades. On va venir ça à l'arrière, ici et là. Et une autre petite pièce, une nacelle, je sais pas du tout où encore où elle va se situer. Après, pour l'histoire et la destinée du Bismarck, on va retrouver donc sous la protection de l'obscurité, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit main qui est parti ailleurs. Sous la protection de l'obscurité, toujours avec des belles images d'archives. Les adversaires possibles du Bismarck au cours de l'opération Rudenburg. Donc un peu il parle de tous les croiseurs, etc. qu'il a un peu l'ennemi. Le porte-avions, le Ark Royal. Les différents canons, hein, on peut voir. Donc c'est des canons de 127 mm. Et le cheminement du Bismarck là. Le cuirassé du Genso. Genso, je sais pas comment ça se prononce. Genso. La bataille de Jutland, les flottes s'affrontent, etc. On voit un peu la carte de la bataille ici, les positions à 20h15 hein, qu'on peut voir. Et puis dans le prochain numéro, encore et beaucoup de montage, donc encore un numéro simple cette fois-ci aussi. Donc on verra ça dans un autre numéro. Allez, on est parti déjà pour la présentation des pièces. Bon bah, comme je vous le disais, c'est des pièces simples. Hein. On peut voir une partie de la coque ici. Ainsi que des pièces donc pour la mise en place donc de ce fameux ma fameuse balustrade. Il y en a beaucoup. Voilà, bon, moi je vais chercher ma coque, comme ça va être fait. Et puis on se retrouve ensuite. Donc la coque, hein, c'est comme d'hab, je vais vous faire ça en accéléré. Par contre, ça va pas que j'oublie. Et hop, on est parti pour le montage de cette coque. Voilà, une section de mise en plus. Cette section avance petit à petit. Hop, je remets cette côté et on continue, on va se retrouver avec les balustrades. Alors, dans un premier temps, on va récupérer cette pièce-là. Qu'on peut voir ici, on la détache. Tout simplement, comme pour les autres incomplets qu'on avait fait déjà avant sur les photos des coupes, on bouge tout ça. Tac, ça se détache tout seul. On va chercher la petite colle qui est ici. Et on va poser cette balustrade. Attention, les yeux. Et qu'elle est juste. Les deux portiques et celui-ci, je mets de la colle à l'arrière on va la poser juste à l'arrière ici.
Ah ok, je comprends maintenant. Je comprends le truc. Bon, ça va pas être du caca le poser, ça. Hein. Oh là là. Ok, elle est à 45 degrés. Je vais faire l'avant là, avant de repasser sur l'arrière parce que ça va être le plus compliqué. Alors, on va récupérer celle-ci là. Ouf. Et hop, on y va, on détache celui-ci. Et après, on va lui donner une forme particulière qui va épouger. Donc, là, l'objet la forme hein, et qui va épouser cette forme là. Voilà, la barrière est posée, hein, comme on peut voir ici. Et ensuite, on va passer à l'arrière, on va mettre les barrières à l'arrière ici, avant de s'attaquer à la dernière partie. Ah ouais, je pensais pas aussi court que ça, tiens, je disais ça. Je pensais beaucoup plus long, hein. Alors, je prends ma petite pince. Et je l'applique sur la pliure. Ou 4,45. Et l'autre, pareil. Et hop, on est parti. Je pose tout ça dessus, à l'arrière, en dessous. 4. Et celui-ci, il va venir se poser juste ici. Allez, deux à l'arrière, une à l'avant. Et alors, pour celle-là, je sais pas comment je vais la poser. Hein. Voilà. Et celle-là, ça me paraît pas mal. Ça me semble pas mal tout ça. Bon, il ne me reste plus que celui-ci à mettre en place. Et là, c'est pas la même chose que ça va être moins drôle. C'est des espèces de petites lamelles là. Clac, qu'on va venir de chaque côté. Ok,
Alors, ici et ici. Le premier. Ah, ça sera peut-être du quai conclure. C'est bon, c'est calé. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Ça s'est posé. Et le deuxième. Alors ça se détache comment? Ça détache de ce côté-là. 1, 2, poum pouf. Voilà. Et ben, on lira bas. On lira bas. Et de. Et le dernier qui va se rabattre vers le devant. Et voilà ce que ça donne. Petite pièce, hein, je sais pas trop si vous allez voir. Toute petite pièce, toute fine, qui va nous servir par la suite sur de balustrades, je ne sais pas où encore. Bon, on est parti donc pour le numéro suivant, donc le numéro qui risque d'être beaucoup plus long. Donc je pense que je vais m'arrêter là, enfin je verrai. Et puis voilà, hein, donc on a fait un bout de la coque et cette partie-là. Comme on peut voir, hein, ça commence à bien s'agencer tout ça. Allez les amis, je vous laisse, à plus, tchuss. Donc les amis, j'espère que ce double numéro vous aura plu. Donc voilà, on a pu un peu avancer sur la Bismarck, comme vous avez pu voir. Nouvel agrément, etc. au niveau du système. Et puis voilà. Donc les amis, je vous laisse. Et si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup, je vous dis à la prochaine les amis et à la plus. Tchuss.